Vlog 24, je pense, avec mon boy Maxime. Un gros merci à lui, mon char en fin de semaine. On a fini les préparatifs hier soir. Le char est en arrière. On est en route pour Sainte-Croix. Une journée bien remplie. J'ai à peu près une dizaine de parts. Non, pas tant que ça. 6-7 parts de travailleurs brûlés. Puis aujourd'hui, c'est du drift, mais de 1h à 2h30 environ, il y a du lapping, du l'enfarcin, 100 tours consécutifs sur le bal. Donc on pourra pas rouler pendant ce temps-là, mais on va en profiter pour changer les caméras, remuer d'autres tires, etc., etc. Fait que, on va continuer de monter là-bas. J'ai d'autres amis, tout sauf Jean-Luc, qui sont supposés venir nous rejoindre. Fait que, on se revoit sur place. Bon, ben on est sur place. On s'est rendu en un seul morceau. On va décharger ça, on va se préparer à aller brûler le premier sort. Donc, c'est ça. Bon, on va aller brûler le premier sort. Puis, c'est ça. On va vous tenir au courant comment ça se déroule. Ben, on va aller faire un peu de lapping avant, le chauffer. Le chauffer le char, les fluides, transmission, diff, tout ça. C'est ça. Donc, à plus.
Là, on a 3 sets de brûlure. Je suis en dessous de 4e. Mais là, je sais pas si on voit. C'est des hosties de course de char compact. Là, ils font 100 tours. Ils appellent ça l'enfer fin, une course d'endurance. Fait que là, il faut attendre environ 1 heure avant de pouvoir brûler. Là, il est bientôt 2 heures. Fait que, ouais. Pendant 3 heures, il va nous rester 2 heures pour brûler 5, 7. Non. 2, 3, 4, 7. 4, 7 au moins. Fait que. C'est ça. Mm-hmm.
Ouais! Ça a de l'air de tout ça après avoir sorti de piste dans le début du bank. Manger une petite pelletée de terre dans la bouche, dans les yeux, un peu partout. Là, mon bumper est. Quatre pas là-bas sur le bank, là, je sais pas si on le voit. Bref. Pas grand chose à briser à part de ça, pas de l'air d'avoir rien brisé. Manger un set, on va se nettoyer la face un peu, mais on va retourner en brûler d'eau. Il est capable de faire ça avec ça, lui! Thank you.
journée est un succès. Le char est encore en un morceau. J'ai réussi à brûler pas mal. Bon, j'ai brûlé tout ce que j'avais de rimeux. J'en avais amené 4 pneus pas rimeux pour rimeux, mais finalement on a laissé faire ça. On a été assez flush sur le temps, pas eu de bris majeur, rien, à part une sortie de piste, puis mon bumper qui a arraché. Mais deux tires rap, c'était reposé, fait que c'était pas grand chose. Donc, encore un gros merci à Maxime qui a rendu ça possible. Sinon, mes chums Rousseau, Jean-Luc et tout le monde en fin de semaine qui m'ont aidé à rendre ça possible. Mes chums qui m'ont passé leur garage jusqu'à 1h du matin et qu'on finisse ça, 2 jours de suite quasiment. Puis... En tout cas, si vous m'avez aidé de près ou de loin, vous le savez, puis ça aurait eu un gros merci. Là. Samuel Roy et tout. Voyons qu'il y a un yes tout qui était là aujourd'hui, il m'a aidé avec une coupe d'affaires, on a fait du tandem un peu, il m'a filmé gros des runs. Fait qu'un gros merci man. J'espère qu'on va se recroiser bientôt à nos tavernes. Fait que ça va être pas mal ça pour cette vidéo-là. M'a peut-être bien faire un petit aftermath des gars pis tout rentrer chez nous. Ce qu'il y a sur le char, je sais pas ça encore. Fait que probablement. À plus tard. Allô? Petit update, finir le vlog de journée de drift à Sainte-Croix. Les dégâts sur le char. Je vais vous montrer ça vite, il n'y a vraiment pas grand chose. Premièrement, il y a mon vieux bumper de BM qui a détaché, ça l'a écaillé un peu, il a cassé une coupe de place. Un bumper à genre 20-30$, fait que honnêtement, ça va rester de même parce que c'est ça. Ça me stresse pas bien bien. Peut-être bien essayer de le retaper un peu ou soit d'en trouver un autre ou essayer de retrouver un bumper de IS300. Sinon, j'ai quasiment matché ma lumière de l'autre côté, mais celle-là, je l'ai éclaté à moitié. Pour moi, ici, ça a cassé probablement dérimer un tire. C'est venu fouetter ici puis ça a cassé la lens. Je dirais que je casse le reste pour égaliser avec l'autre bord. Ça donne pas un look vraiment affreux, là. Moi ça me dérange pas pantoute. Sinon c'est pas mal ça. Là on se trouve à être 2 semaines après ça. Je suis allé drifter à Montmagny aussi. Depuis. Fait que là, ça a causé d'autres dégâts un peu, mais ça je vais laisser ça pour la prochaine vidéo, l'événement de Montmagny. Fait que ça va être pas mal ça qui va conclure cette vidéo-là. Ouais. Fait que c'est ça, restez à l'affût, il va y avoir une autre vidéo pour l'événement de Montmagny bientôt. Fait que si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, parlez-en à vos amis. C'est très apprécié. Fait que un gros merci les amis. Puis on se revoit très bientôt pour l'événement à Montmagny.